quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Quel pays participe à la Coupe du Monde? Tous les pays voudraient y aller, mais ce serait trop compliqué. Alors chaque pays participe à des qualifications organisées par la FIFA, la Fédération Internationale du Foot. Pendant 2 ans, plus de 200 pays disputent des matchs. Seuls les 31 meilleurs sont qualifiés pour le Mondial. Comme c'est le Brésil qui accueille le Mondial, il est automatiquement qualifié. Les 32 pays participants sont répartis par tirage au sort, en 8 groupes de 4 pays chacun. Dans chaque groupe, les pays s'affrontent entre eux. C'est le premier tour du Mondial. Les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés pour le second tour. Pour les pays éliminés, le Mondial est terminé. Retour à la maison. Et la France? Elle est dans quel groupe? La France est dans le groupe E, avec la Suisse, l'Équateur et le Honduras. Ces pays sont considérés comme moins forts. Les Bleus ont donc de bonnes chances de se qualifier. Au second tour, c'est qui tout double. Il faut absolument gagner chaque match pour continuer. Le pays perdant est éliminé. Après, ce sont les quarts de finale, puis les demi-finales, et enfin, la finale, qui aura lieu le 13 juillet. De nombreux supporters français espèrent que la France et le Brésil se retrouvent en finale, comme lors du Mondial 1998, organisé en France. À cette époque, les Bleus étaient devenus champions du monde en battant le Brésil 3-0. Mais cette année, les Brésiliens jouent chez eux et ils veulent leur revanche. Tu te poses des questions? Envoie-les-nous. Et nous, on y répond.